Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir le monde, bonsoir la planète musique, la planète salon, puisque j'imagine que vous l'êtes, ou dans votre jardin. Merci à tous d'être là ce soir, comme tous les mardis, comme tous les jeudis, depuis maintenant le 13 mars, c'est ce soir. J'espère que vous faites une petite applause pour toute l'équipe qui est derrière ça. C'est le 23e live en confinement. Merci à tous infiniment de suivre notre petit programme ponctuel mais régulier. Ça nous fait chaud au cœur. Le déconfinement se poursuit, sauf pour la culture évidemment, c'est un peu logique. Mais c'est pas grave, nous on fait sans. Ce soir, mesdames et messieurs, je suis très honoré d'avoir avec vous une rencontre. C'est la première fois que je vois Stéphane. C'est la première fois que je vais entendre en même temps que vous ses chansons, sa production. C'est du sincère et en plus c'est de l'électropop. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, applause. Stéphane Gillis, ici, RRTV Live, rien que pour vous. Bonsoir Stéphane. Merci infiniment d'avoir répondu à l'appel. Merci à vous de m'avoir invité. Je sens qu'on va vibrer. Enlevez tout chez vous, poussez les meubles, ça va bouger. Ça va y aller. Place à la musique live. Mesdames et messieurs, vous êtes au Rideau Rouge en direct. Transparent.
the form and accountant, but I'm transparent. Putain, l'énergie, les gars, on y est, ça c'est du live. Et c'est offert par Stéphane Gilly ce soir, s'il vous plaît, au Rideau Rouge. C'est bon Stéphane, on chauffe là, on chauffe le carrelage. Yes. Merci à vous de m'avoir ce soir dans votre belle salle. Bienvenue à tous sur la page du Rideau Rouge, YouTube ou Facebook. Je m'appelle donc Stéphane Gilly, je vais vous jouer mes chansons. C'est de l'électropop en français, en anglais, il y en a pour tous les goûts. On est confiné, mais ici, les concerts continuent. J'espère que ça va vous plaire.
là, je suis chaud, j'arrête pas de balancer les genoux, hein, Stéphane. Vraiment, là, je suis. Je vois. Tu sais quoi, ça fait vraiment la lueur au bout du tunnel pour ce 8 juin qui approche. Les copains, 8 juin, on est là, quoi. 8 juin, tout l'Horeca réouvre et ouais. Ça va nous faire une bulle d'air. Le secteur de l'Horeca va revivre, ça va faire du bien. On va pouvoir boire sa petite chope en terrasse, peut-être faire des concerts dans les bars, on ne sait pas encore. En tout cas, ce soir, on va y aller au forcing, tracasse. Ce soir, on est là, on est au Rideau Rouge. J'espère que ça se passe bien chez vous, en tout cas. Ici on est trois, mais on est chaud. Absolument. Dont un qui est dans les bureaux, confiné. On respecte les règles, malgré que tout le monde se déconfine, sauf la culture, j'arrêterai pas de le dire, mais bon, c'est la vie. Donc voilà, je vais juste présenter les deux premières chansons que j'ai faites. La première s'appelle Transparent, c'est une chanson que j'aime bien faire en intro, sur la façon de comment on se voit nous, comment on nous voit les autres. Et celle que je viens d'interpréter s'appelle Break the Rules, qui veut dire du coup casser les codes, casser les règles, j'aime bien un peu être à côté du sentier. Et là, ce soir, faire un concert devant... Je ne vais pas dire personne, mais tu vois, pas de public, et que le public soit sur son téléphone ou sur son ordi chez lui, ça casse les codes, j'aime bien. Pendant le confinement, on continue à faire de la musique, ça c'est important. Alors, pour continuer un peu à casser les codes... Tu sais, quand tu fais de la musique, on te dit souvent « Ouais, il faut un refrain très catchy, il faut des couplets qu'on comprenne, un truc qui nous fasse bouger et tout. » Et j'ai fait « Ah, ok, d'accord, je vais essayer de faire ça. » Et j'ai fait une chanson qui prend un petit peu tout ça à l'envers. Et j'ai fait une chanson un petit peu dark, et pas vraiment chantée, un peu parlée. Et du coup, c'est une chanson qui s'appelle « Pensée perdue », qui est un peu un cocktail de toutes les pensées que tu as la nuit. Et puis le matin... quand le monde se remet à vivre, tu te retrouves avec une chanson qui est celle-ci. Voilà. Du coup, ça s'appelle Pensée perdue et c'est la première du set en français. Si le ciel a déjà revêtu sa robe blanche de l'aube naissante, il faut que je fasse vite. Mais j'ai pour ainsi dire perdu toute notion du temps. C'est presque comme si je vivais un instant perpétuel. J'en ai perdu le rythme des choses, le rythme infernal des choses. Il faut que les mots sortent de moi-même, que l'on m'extirpe de cette nuit qui ne finira pas. Finira plus, celle qui peu à peu devient mon terrain de jeu, celle qui dans sa profondeur se révèle au contraste de l'humanité qu'il me reste. Plus grand chose n'est tangible, non, plus grand chose n'est tangible. Je suis à mi-chemin entre l'éveil et le songe, et j'attends patiemment que quelque chose se passe. Je cherche une cigarette dans un fond de poche troué. Je passe les portes des métros, des églises, des boîtes de nuit. Des métros, des églises, des boîtes de nuit. Plus rien autour de moi n'a de sens. Je vis le même jour éternellement. Il
que j'aille, j'en ai perdu le rythme des choses, le rythme infernal des choses. Clap, clap, bravo, bravo. Si les copains étaient là, ça résonnerait comme jamais dans cette salle. Ça craquerait les rideaux. Bravo Stéphane, c'est énorme. Merci. C'est énorme, c'est très très bon. Merci. Santé. Santé à vous les copains, santé. Ouais, santé, hein, c'est l'heure de l'apéro ou du digestif. Sur Internet, le temps n'existe pas. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu du temps. On est en 2020 aujourd'hui, on vit vraiment des périodes très très bizarres. Et on est au Rideau Rouge. Alors moi, je suis très très content d'être ici ce soir parce que ce n'est pas la première fois que je foule cette scène. C'est la première fois que je la foule avec mes chansons et sans public. C'est le premier concert que je fais sur une scène sans public. Ça devait être au Rideau Rouge parce que je vais vous expliquer, vous qui êtes chez vous et vous qui êtes peut-être des habitués du Rideau Rouge. Alors, habitué du Rideau Rouge, moi aussi du coup. Moi j'habite Bruxelles et mes premières jams ever, après avoir connu 2-3 accords sur la guitare, je me suis dit, il faut que j'aille jouer sur une scène où il y a des gens, où on donne la possibilité aux gens de venir. Et quand tu googles Jam Session Bruxelles, même que tu googles Jam Session Belgique, tu tombes sur la jam du mardi au Rideau Rouge. Donc ça fait 10 ans que je viens par-ci, par-là. La classe, même. Voilà, tu vois. Et aujourd'hui je joue mes chansons. Donc vraiment, c'est ma première scène. Et c'est... actuellement, ma dernière, donc tu vois, j'aime bien le sandwich que ça fait, tu vois. Franchement, ce qu'on entend là ce soir, mec, ça va pas être ta dernière scène, ça c'est sûr. Ah, j'espère. Ça va dépendre de moi, de toi et de vous derrière votre écran. J'espère que tout se passe bien, en tout cas, pour le moment. Likez les gars, putain, partagez quoi. Vous en avez marre d'aller nulle part, branchez-vous ce soir sur la page du Rideau Rouge. I'm so tired of going nowhere.
J'espère que chez vous, dans votre salon, ça danse autant qu'ici en tout cas. Chicha. Nowhere. Brûlez le rideau. I'm so tired, I'm going nowhere. I'm so tired, I'm going nowhere. 'Cause it feels like I'm losing control. Feels like I'm gonna Ce morceau s'appelle Going Nowhere. C'est énorme. Je le répète 16 fois dans la chanson, au moins. Donc voilà, parfois, il faut pas grand chose pour faire un morceau, tu vois. J'ai le hook. I'm so tired of going nowhere. Et puis avec tous mes claviers, j'essaie de me la jouer un peu JMJ, Jean-Michel Jarre, tu vois, et de construire un truc autour. Et quand ça prend. Mesdames et messieurs, vous avez le futur Jean-Michel Jarre ici, rien que pour vous ce soir. Mec, c'est énorme. On s'installe 2 minutes, mais je crois pas tellement que j'ai envie de lâcher, de couper trop l'énergie, tellement c'est bon. On fait quand même la tradition, le petit côté salon. C'est vraiment terrible, vraiment. Je suis très sincère, avec ou sans caméra. Je pense que ça a beaucoup d'avenir. Comment ça se passe pour toi? C'est déjà 17 albums ou ils sont en préparation, ou comment ça va se passer? Il y a tout ce qu'il faut là. Attends, je vais te prendre un micro quand même, sinon on va avoir un petit problème, je te laisse le prendre. Yes. Allez, c'est l'émotion ici, on est en pleine émotion les gars ici. Hein. Ça fait du bien d'avoir un peu de dance floor, de okay. Jeudredi. Alors Nico, tout d'abord je suis content que ça te plaît, j'espère que ça vous plaît aussi chez vous. Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui au Rideau Rouge, comme je l'ai dit tout à l'heure avec ma petite anecdote des jam sessions. C'est vraiment une scène... C'est vraiment une scène importante pour moi et je pense que c'est une scène mythique dans le paysage, bruxello-wallon et même plus large. Attention, mon cœur va lâcher là. Donc, non, mais c'est vraiment vrai. Tu vois, quand tu es musicien et que tu veux jouer quelque part dans la région, c'est sur le circuit, c'est d'office quoi. Donc voilà, j'espère que dans 17 albums, je reviens jouer ici du coup. Je pense que là, c'est plus moi qui décide, ce sera toi. Je nous le souhaite à tous les deux évidemment. C'est vrai l'anecdote, ton premier concert, vraiment ici? Ouais, vraiment la première fois. Et t'es venu en bus? C'est vrai ce que tu m'as dit en off? Ouais, c'est vrai. En off, je t'ai expliqué. Donc, quand t'es bruxellois et que tu veux venir au Rideau Rouge, il faut prendre un bus à Flaget, mais pas un bus de la STIB, un bus de la Tech qui passe toutes les 4 heures, tu vois. Ouais. Et en ce moment, tous les 4 jours. Ouais. Exactement. Désolé, les gars. Je suis venu ici avec ma gratte, je connaissais 3 accords, j'avais 17 piges. Je suis tombé ici avec des gens sympas, mais qui savaient déjà jouer bien, tu vois. Et moi, c'est vraiment ici la première fois que j'ai joué devant des gens, quoi. C'était il y a 10 ans déjà. Merci Stéphane, tu me reboostes pour les 16 ans à venir, pour les 16 saisons à venir. Pour toi, le confinement, c'est un peu de création, c'est surtout on s'emmerde à la maison. Comment t'as un peu vécu ça? C'est un peu la question bateau, mais on arrive tout doucement au bout du tunnel. Enfin, il faut rester prudent, mais est-ce que t'as pu tirer ça à ton profit? Donc là, ça fait plus de 2 mois qu'on est confiné et le secteur de l'horeca est à l'arrêt depuis plus de 2 mois. Et j'ai l'impression de vivre chaque jour un peu le même jour, tu vois. Ah ouais.
Et du coup, pour répondre à ta question, est-ce que je crée, est-ce que je m'ennuie? Eh ben les deux, parce que l'un sert à l'autre, tu vois. Ouais, quand ça. Tu t'ennuies, tu te fais mais. Et alors, on s'ennuie sévère. Hein. En confinement, tu peux plus sortir boire un verre, tu peux plus jouer dans les bars, tu peux plus aller nulle part presque. Donc tu restes chez toi, tu es entouré de tes claviers et tes petits bloc-notes, et du coup tu griffonnes et quand quelqu'un te donne la chance de venir jouer, bah t'es prêt quoi. Donc voilà. Et t'es prêt. Voilà. Au taquet quoi. Bravo, c'est hyper frais quoi. Bon, voilà, je l'ai déjà dit, mais je découvre aussi. Voilà, confiance était totale. Ouais. Tu m'as été renseigné par Max Montagne. Respect, Max. Merci à toi, Max. C'est génial. Pour moi, ça a beaucoup d'avenir. Eh ben, j'imagine que tu y crois, mais comment ça se passe? Tu t'es approché par une maison de disques? Écoute, tu sais, quand on fait de la musique, on essaye de faire la meilleure musique possible, celle qui nous ressemble, celle qui nous plaît. Mais on a souvent le nez tout seul, surtout quand on est seul à la faire, on a le nez dans le guidon. Donc moi, j'ai besoin de faire des concerts devant des gens, des vrais gens. Tu vois. Et même aujourd'hui, on est en live, mais ça a une dimension humaine. Et c'est ça qui me plaît, c'est ça que j'étais très content de venir aujourd'hui ici. Mais en fait, moi, dans mon projet, pour le moment, j'ai un peu le nez dans le guidon et je suis un peu en phase test. Allez, essayez de jouer partout. Tiens, est-ce que ça vous plaît? Qu'est-ce qui plaît? Qu'est-ce qui marche bien? Qu'est-ce qui marche moins bien? Et du coup, voilà. Mais je pense que quand t'as envie, quand t'as la motivation, quand t'as une passion, il faut essayer de la pousser. Quoi, et c'est ce que j'essaie de faire. Ça se sent énormément. Pas juste parce que tu te trémousses et que tu m'emmènes à trémousser aussi. Non, non, il y a vraiment énormément de... Voilà, de contenu visuel, d'énergie positive qui se dégage. Franchement, c'est top. Moi, je suis aux anges, hein, les gars. Je suis aux anges aussi parce que le 8 juin, on réouvre, les gars. C'est pas encore tout à fait officiel au niveau du gouvernement. Moi, je vous le dis, le 8 juin, nous, ici, on sera ouverts. Et tous les autres copains dans l'Eureka seront ouverts. On va pas trop causer parce que on va pas laisser tomber l'ambiance, retomber l'ambiance parce que je suis sûr que vous êtes chaud patate dans votre salon à vous dandiner un minimum. On va se remettre à jouer alors. Ouais, je te laisse rejoindre les claviers. Je fais une petite parenthèse promo pour une assoce qui joue demain ici avec The Plains. C'est du cover. On n'est pas dans la création, mais c'est des grands copains. Mais voilà, demain, vous pouvez vous reconnecter. Il y aura un RRTV Live inédit. Sans moi, en tout cas, je ne serai pas sur la scène, mais il y aura d'autres personnages publics qui vont le faire. Merci, Stéphane Gillis. À votre service. Du grand talent. Au service de la culture, du rideau rouge. Absolument, et de la musique. Quoi. Je fais une promesse ce soir, vous le reverrez sur cette scène en public avant le 1er juillet. Attention. J'en fais une promesse et c'est public. Ouais, et c'est en live, c'est enregistré. Yes. Stop asking me if I'll come back soon. Maybe I will, but I'll be someone new. Stop asking me to bring you to the moon. If you don't believe that my love is true. I'll be
realize you replaced me in your bed. No, I can't get this out of my head. When I realize you replaced me in your bed. When you wake up in the morning, did you think about me? When you wake up in the morning, did you talk about me? When you wake up in the morning, next to him. Stop asking me if I'll come back soon. Maybe I will, but I'll be someone new. Stop asking me to bring you to the moon, but if you don't believe that my love is true. On va pas s'arrêter, hein? Eh ben si, les gars, on va s'arrêter parce que vous allez revenir voir ça en live, vous allez danser avec nous bientôt, très bientôt, vraiment, j'en fais vraiment la promesse. C'est le dernier, les copains, c'est le dernier. J'espère que vous avez aimé, partagez, faites-nous ce petit plaisir-là. J'espère vraiment que ça vous plaît. Alors là, je suis sur scène, je suis pas derrière les écrans. J'espère que ça se passe bien pour vous dans votre salon, sur votre terrasse ou quoi. Il fait beau, alors évidemment... On peut profiter de ce concert un peu où on veut, puisqu'on peut l'emporter dans la paume de sa main. Ça aussi, c'est la dimension incroyable de 2020 et du confinement que nous impose un peu le Covid. Effectivement, c'est ma dernière chanson pour ce soir. Je m'appelle Stéphane Gillis, en direct du Rideau Rouge, pour vous servir. J'étais très très heureux de vous accompagner musicalement. La prochaine chanson s'appelle Sauvage. Alors, si vous voulez sortir les griffes chez vous, c'est le moment, c'est l'instant, c'est la chanson pour, en tout cas. Voilà, c'est ma dernière pour ce soir. We'll be right back.
voulais même pas, ça me rend dingue. Qui a tort, qui a raison? Celui qui noie ses têtes et sa peine dans sa boisson, celui qui croule sous ses millions, capitalisation, putain c'est mignon. Mais quels sont ceux qui n'ont pas failli à la mission? C'est vrai que parfois je pense à me faire péter le caisson. J'ai pas les réponses à mes questions. L'habitude de boire c'est pour mieux gérer la pression. De toute façon on est tous de passage, tous avec la même peur sur le visage, tous en quête de paysage. Ouais, show me your wild side, show me your wild side. Show me your wild side, babe. Show me your wild side. Let me show me your wild side, babe. J'espère que ça vous a plu. Alors il y a des lives deux fois par semaine ici à partir du 8 juin, ça reprend j'espère, on croise les doigts. Merci de m'avoir écouté et suivi. Show me your wild side, babe. Show me your wild side. On vous aime les amis, c'était Stéphane Gillis. À suivre, assurément. We'll be right back.